Bonjour tout le monde, je suis Edwige Bamenou, membre du GDG Libreville, qui est la communauté des développeurs Google de Libreville. Je suis aujourd'hui avec mademoiselle Cécilia Ekomi. Bonjour, je suis Cécilia Ekomi, également membre du GDG Libreville. Alors aujourd'hui, nous venons vous parler d'un événement en rapport avec Android. Petite veille, Android est le système d'exploitation mobile de Google. Open source, c'est-à-dire libre d'accès, qui équipe la majorité des smartphones et tablettes aujourd'hui. Plus simplement, Android est un ensemble de programmes qui gèrent notre smartphone et donnent vie à notre appareil. Il sait parler aux composantes comme l'appareil photo, le Bluetooth ou le tactile de votre écran et vous pouvez également lui parler via les interfaces de vos applications. Initialement, Android était une start-up dirigée par Andy Rubin et qui a été racheté par l'entreprise Google en 2005. Aujourd'hui, Android est le système d'exploitation numéro 1 dans le monde et est à sa 10e version. Alors, Edwige, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, bien sûr, Cécilia. Android, comme tout programme informatique, évolue et progresse en fonction des besoins de ses utilisateurs. Et aujourd'hui, Android passe à sa 11e version. Et pour cela, l'entreprise Google a mis en place pour nous une playlist sur YouTube où il nous présente et nous explique les différentes fonctionnalités qui viennent avec cette nouvelle version. Pour tous ceux et celles qui n'auront pas assez de temps pour suivre la playlist en son intégralité, ne vous inquiétez surtout pas parce que GDG Libreville a prévu une belle surprise pour vous. GDG Libreville fera un récap le 11 juillet et un atelier le 17 juillet où ils vous présenteront tout ce que vous devez absolument savoir sur cette nouvelle version. Encore plus intuitive et encore plus performante, la nouvelle version d'Android vient pour nous laisser sans voix parce que Google a prévu de belles surprises pour nous. Alors ne ratez surtout pas cette occasion de vous mettre à jour. Sur ce, au revoir et à très bientôt.